Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 25 mars, me semble-t-il. Est-ce que je vais y arriver? Oui! Donc 25 mars, il est 5h moins 10. J'ai déjà pris ma douche, j'ai changé ma petite routine, attention. Oui, parce que j'ai travaillé dans un bâtiment, en fait, je travaille dans deux bâtiments et il y en a un que je trouve vraiment plus, je sais pas, plus sale que l'autre. Du coup, ah, j'avais envie de me laver. Bref, voilà. Donc, dimanche, je vous laissais en vous disant que j'avais terminé cette lecture-là, que j'avais bien aimé, enfin, que j'avais vraiment passé un très bon moment. Et d'ailleurs, j'ai eu des éclaircissements. J'ai une abonnée sur YouTube qui m'a écrit pour le fameux Toussaint, l'ouverture, et que c'était l'aventure. Et en fait, j'ai vérifié après ce qu'elle m'a dit. Et mais Blackwater, c'est bien Toussaint, l'ouverture. Et Elodie m'a expliqué qu'il y avait Toussaint, l'ouverture pour ses romans adultes, en gros, et Toussaint, l'aventure pour les romans jeunesse. Donc, je ne suis pas folle. J'avais bien entendu l'ouverture. Et là, vu que c'est de la jeunesse, je dirais pas que c'est de la jeunesse pour moi, mais bon, c'est tout ça l'aventure. Voilà, en tout cas, je ne suis pas folle, j'avais bien entendu l'ouverture et j'avais bien entendu. Hein. C'était pas mon oreille, mais. Donc, bref, voilà. Et j'ai commencé donc une nouvelle lecture hier matin, juste après avoir conclu le vlog avec celle-ci. Et j'ai lu dans la journée 189 pages. C'est super bien. C'est une autrice que j'aime beaucoup, qui n'était pas dans ma pile à lire, mais qui l'était. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une pile à lire qui rentrait dans le challenge. Et au début, j'avais mis deux livres dans chaque thème, chaque catégorie. Et je me suis dit, non, ça va faire beaucoup. Donc, j'en ai mis qu'une. Et finalement, comme j'ai lu les quatre livres, j'ai pris la suite. Et donc, c'est Karine Gievel, que j'aime beaucoup. Donc, de force. Que j'ai acheté à Noël. Alors je sais plus si c'est Elodie qui me l'a offert dans notre box de Noël ou si je l'ai acheté parce que le jour où on s'est vu, je suis repartie avec 45 livres. Donc du coup je sais plus. Mais je me souviens que c'était cette journée-là à Poitiers où je m'étais un petit peu lâchée au niveau des bouquins. Donc voilà, je l'avais mis parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu de Karine Gievel et que ça me manque. Je sais que c'est toujours des romans ultra poignants et ça se bouffe en 2 secondes. J'ai toujours lu les romans de Karine Gebel très très vite. Je trouve ça se gobe toujours ces histoires. Je me souviens toujours que j'avais rencontré, enfin rencontré, non, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai découvert cette autrice un jour. Je suis à la Cultura et c'était en 2015 hein, pour vous dire sa date. En 2015, mon regard est tombé sur Meurtre pour Rédemption. Je me souviens que j'étais avec un ami. Et j'étais là, oh j'hésite, j'hésite, il est super gros, machin. Puis il me fait, oh vas-y, ça te fait pas peur d'habitude, donc prends-le. Je dis, bon bah ok, je le prends. Je l'ai lu, je me souviens en novembre 2015. Je l'ai lu en 2 jours, le truc qui fait 1000 pages. Et depuis, voilà, cette autrice, je la déguste, je vais dire, à chaque fois. Je médite entre chaque tome parce que. Voilà, j'aime bien, c'est mon petit plaisir quand mes auteurs chouchous, j'aime bien pas tout lire d'un coup pour voilà, un petit peu plus déguster à petit voilà, par petits moments comme ça, profiter, me dire qu'il m'en reste encore à lire, que j'ai pas à attendre un an ou je sais pas quoi pour qu'ils sortent en poche, vu que je les lis en poche. Donc voilà, bref, il m'en reste pas tant que ça à lire, mais il m'en reste quand même à lire. Déjà, moi j'ai aussi dans ma pile à lire Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Alors, celui-ci, on me le conseille depuis X temps et j'hésite entre Jusque la mort nous unisse et De force. Mais j'ai pris celui-ci, je ne sais pas pourquoi. La piscine m'a plus attirée que la couve de Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Mais il faut que je le dise aussi, je pense, cette année. Et il me reste, faut que j'achète. Non, c'est pas Jusqu'à ce que la mort nous unisse. C'est Purgatoire des innocents. Jusqu'à ce que la mort nous unisse, j'ai déjà lu. Un coup de cœur phénoménal. Terminus Illucius, j'ai lu Mort sur de l'ombre. J'ai lu Chien de sang, je ne l'ai pas. Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Une pépite. Meurtre pour Rédemption, bon, ça c'est le number one. Juste une ombre, je l'ai lu. Maître du jeu, je ne l'ai pas. Purgatoire, je l'ai. Dans ma pile à lire, oui.
Toute blesse, la dernière tue, j'ai adoré, mais c'est pas mon préféré. Et faut que j'achète Ce que tu as fait de moi et Chambre noire. Ça va être mes deux priorités. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai envie d'acheter Ce que tu as fait de moi. Et je me dis toujours, mais je l'ai déjà ou pas? Mais je sais jamais. Mais faut que je mette dans la tête que je ne l'ai pas et qu'il faut que j'achète aussi Chambre noire. Donc ça, c'est les deux derniers qui sont sortis en poche. Et là, elle en a. Non, il y a Glen Affric qui est sorti récemment là. Et là, je crois qu'elle en a ressorti un autre parce que tout le monde le reçoit. Donc, et je ne sais plus le titre. Mais elle vient d'en ressortir un. Donc voilà, j'en ai potentiellement 4 en attente. Dont un que j'ai déjà et deux qu'il faut que j'achète. Ça fait 3 ça. Non, 3 qu'il faut que j'achète avec Glen Affric. Bref, on s'en fout. Donc, de force, voilà, comme vous pouvez le voir, sachant que j'ai déjà lu 189 pages, je suis à fond. Donc je vous lis le résumé. Maud Rainier, fille unique d'un chirurgien réputé, est sauvagement attaquée et secourue de justesse par un jogger. Mais son agresseur n'a qu'une obsession, finir le travail. Tandis que le professeur Rainier, défiant la raison, s'obstine à ne pas vouloir prévenir la police. La villa du célèbre médecin... Ah, je recommence. La villa du célèbre médecin, où Maud est enfermée avec ses proches, devient le décor d'un huis clos inquiétant et les secrets grondent en sourdine. L'ensemble s'accorde fortissimo et soudain, quelques fausses notes. Le temps de l'impunité est révolu, le temps des souffrances est venu. Alors là, ce résumé est dingue. Oui, bah je ne sais pas quoi vous dire de plus. On assiste bien à cette... Maud sort son chien et elle se fait agresser. Moi, j'ai toujours eu peur de ça quand j'étais toute seule à prendre des cracottes. Et bref, donc du coup, elle se fait agresser et ce jogger va lui sauver la vie, hein, concrètement. Et finalement, lui va attendre à l'hôpital, enfin, il l'emmène à l'hôpital suite à son agression. Et il va attendre et c'est là qu'il va rencontrer le médecin, le docteur Régnier, qui est assez célèbre. Lui, il le connaît absolument pas. Et finalement, ils vont faire connaissance et lui, il va un peu tout diriger, quoi. Le médecin, c'est un peu, voilà, j'ai l'argent, donc je décide et tu te tais, quoi. Vraiment, le genre de personne un petit peu exécrable. Et, enfin, de mon point de vue, hein, encore une fois. Et voilà, il va se créer quelque chose. Voilà, il va y avoir des liens avec tous ces trois personnages et... Et puis, il va y avoir aussi un lien, je pense, avec le... Ah, on m'appelle. Je reviens. Je vais voir ce qui c'est. Bon, j'ai pas eu le temps de décrocher, finalement. La meuf pas douée. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'était un centre d'appel. Donc, bon, c'est pas très grave. Donc, oui, donc, je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, c'est super bien. C'est addictif. On suit un petit peu Maud. On suit son père. On suit un peu tous les habitants de la maison. Lui, il vit avec Charlotte. Donc c'est pas la mère de Maud, c'est sa belle-mère qui vient un petit peu, on va dire, au crochet, hein, pour tout dire, au crochet du docteur, quoi. Et il y a aussi Amanda, la domestique, il y a le jardinier. Donc voilà, il y a tout ça qui... Tout le monde est suspect un petit peu à mes yeux. Moi, j'ai déjà suspecté quelqu'un, mais avec elle, Karine Gébel, j'ai jamais réussi à trouver... Il y a toujours des trucs de fou qui se passent. Et voilà, le roman, je suis à peine 200 pages. Hein, donc voilà, le roman fait... Ah, c'est une lettre, la fin. Je ne veux pas savoir. 566 pages. Donc voilà, il me reste encore quand même pas mal de pages à lire. Donc voilà, je vais m'y mettre maintenant. En tout cas, voilà ma lecture en cours pour ce début de semaine. Qui je pense sera vite lu. C'est le but avec un JBL, c'est vrai qu'elle fait toujours cet effet-là. C'est dingue. Et ce week-end, on a commencé. Alors, on n'a pas regardé de film. J'ai commencé une nouvelle saison. Une nouvelle série, pardon. Je sais même plus le titre. C'est un truc de. Ah oui, ça y est. Knock Off, Jeunesse Dorée. Voilà, un truc d'ado à la Gossip Girl. J'ai dit, allez, j'avais envie de regarder ça. Voilà, vu que j'avais terminé Kimon, là, je vais regarder ça là en prenant mon petit déj. On a commencé à regarder deux séries. On a commencé à regarder Better Than Us.
Donc là, on a l'épisode 5. Je regarde en même temps sur Netflix pour me rappeler des noms. Donc Better Than Us, là, ça va être une série de quelle origine? Je sais plus. Est-ce qu'il y a information ou non? Je sais plus de quel pays elle est. Enfin bon, donc du coup c'est sur des robots. Donc là la technologie c'est plus, hein. Ils ont tout des écrans sur les bras, des écrans qui apparaissent, machin. Ah mais je crois que c'est en Russie. Il me semble. Et oui c'est ça. C'est en Russie. Et du coup voilà, les robots sont très présents et il va y avoir une femme robot qui va un peu... prendre ses aises, on va dire. Et c'est très bien. J'aime beaucoup. Je crois que j'avais jamais regardé de série russe. Et après, on a regardé. On a commencé aussi parce que Valentin n'était pas trop fan de Better Than Us. C'est vrai que c'est. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu lent. C'est un peu mou. Mais il se passe quand même des choses. Donc, moi, j'étais quand même à fond, lui un peu moins. Et on a commencé à regarder October Fashion. Faction, à chaque fois je dis fashion, c'est October Faction, quoi, faction. Donc là, c'est un peu du Men in Black, ça fait penser un peu à du Ghostbuster bas de gamme. Mais c'est pareil, moi j'aime bien, moi je suis un peu tout public. Donc là, ça va être un couple qui va être en gros agent, un peu à la FBI, qui doit traquer des espèces de monstres, des personnes qui se transforment ou qui ont des trucs qui sortent de leur bouche. J'y mets bien, je sais. Voilà, c'est sympa. Bon, on a regardé que... On a l'épisode 3, donc bon. L'histoire s'installe. Voilà. Voilà pour mon petit point série, mon petit point film. Et voilà, comme vous l'avez vu hier, on a été au bord de la plage. On y a été un peu tard parce qu'on a dormi. On a fait une grosse sieste. Et voilà, on a quand même été profiter. On a bouquiné au bord de l'eau, il y avait quand même du vent, on supportait bien le manteau et l'écharpe, mais c'est pas grave, ça fait quand même grave du bien. Et puis voilà, le soir on s'est fait un petit japonais, et puis voilà, la semaine a recommencé quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer par la suite. Coucou, on est mardi aujourd'hui, même heure qu'hier, plus ou moins. Je vais pas vous parler de lecture, j'ai avancé tranquillement, je suis page 296 de ce petit bijou. Voilà, je suis à la moitié et ça se passe toujours bien, j'ai le même avis pour l'instant. Mais je viens pour ouvrir un petit colis qui n'a rien à voir avec les livres, mais c'est juste le plaisir d'ouvrir un colis. Je suis un peu débilos, mais bon, c'est pas grave. Je verrai. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer. Ça va pas durer très longtemps. Donc ça vient de chez... Scal, ouais, ok. De chez Kourou. Alors c'est je suis tombée dessus par hasard un jour que je voulais m'acheter des amandes, des noisettes. Et en fait, je suis tombée sur ce site. Qui est allemand, il me semble, c'était des amandes en 1 kg ou 500 grammes. J'en avais parlé, je crois, sur le vlog, et en fait, qui était à 15 € je crois. Et je me suis dit, c'est vachement moins cher que le pauvre sachet de je ne sais combien de grammes en grande surface. Oh my god! Oh my god! Donc, j'avais acheté ça et des espèces de coussins. Oh putain! Qu'est-ce que c'est? Des espèces de coussins d'avoine enrobés de chocolat. Donc, voilà. Et j'ai recommandé ça début mars, le 7 mars. Et la semaine dernière, je me suis dit, mais au fait, mon colis, il en est où? Donc, j'avais regardé la semaine d'avant le statut de ma commande. J'avais pas de suivi de colis, j'avais rien. J'ai bon, c'est bizarre. J'ai été voir le. Je sais plus, le jeudi dernier, je crois. On était le 21, un truc comme ça, 21, 22. Et du coup, il y avait écrit statut terminé. J'ai fait non, mais j'ai eu zéro message et tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, j'ai fait une réclamation.
Et je vous raconte un petit peu ma vie hors livre, hein, désolé, mais voilà, j'ai envie de discuter. Et donc j'ai fait une récla et on m'a répondu tout de suite que le relis était un. Le relis. Le colis était un point relais au carrefour à La Roche. Je dis bon, ok, j'ai pas eu de message, mais bon, c'est pas grave, je vais y aller. J'y vais. Il n'avait pas mon colis car il l'avait depuis trop longtemps, il a été renvoyé. Je dis bah oui, mais moi je n'ai pas eu l'info donc. Donc j'ai envoyé un mail à Corot en leur disant bon, ben. J'ai eu aucune info du livreur, du transporteur, dont je ne citerai pas le nom, mais chez qui j'ai eu un entretien le même jour que le boulot où je suis là. Et franchement, je ne regrette pas parce qu'au bout d'un moment. Et puis du coup, je leur ai dit soit vous m'envoyez le colis, soit je demande le remboursement. Ils m'ont dit bon, on vous le renvoie. Tout ça, c'était vendredi dernier. Et j'ai déjà le colis. On est mardi. C'est super efficace. C'est censé venir d'Allemagne, mais je pense que. Ok, Domino's Pizza, je suis ravie de savoir que vous pouvez m'ouvrir. Alors j'ai pris, en fait c'est des préparations pour faire des chai latte dont je vous parle depuis un moment de que j'ai plus de chai latte. Je crois qu'il m'en reste un. Chai latte de chez Sauce Train Green. Sauce Train Green, là. Donc j'ai tenté, voilà, j'ai pris. Donc ça c'est une poudre de boisson à l'avoine pour faire ses chai latte. Donc, il y a de l'épice, il y a de la cannelle, gingembre, noix de muscade, poivre moulu. Voilà, mélangez 2 cuillères à soupe avec 200 ml d'eau ou de lait. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ça pour le goûter, pour le petit-déj. Je ne sais pas, mais je me suis dit, un petit truc énergétique. Ça, c'est mes petits coussins d'avoine, là. Comment ils appellent ça? Ah, c'est écrit en allemand. Ben, là, je ne pourrais pas vous dire. After Crispies Mitt Schokolade. Voilà, bref, des petits coussins flocons d'avoine enrobés de chocolat. Et. Oh, bah là, ça s'est ratatiné. Ça, c'est de la poudre. Oh, bah putain, il y en a plein. Oh, c'est un autre tube de poudre. Mais là, il est. Ça va être galère en vrai. C'est du Golden Milk, du lait d'or. Donc, pareil, c'est comme le chai latte, à ce que j'ai compris. Curcuma, cannelle, gingembre, noix de muscade. Oh, oui, c'est exactement les mêmes ingrédients. Bon, je vais peut-être acheter deux fois la même chose. À voir. Voilà, j'étais pressée de. Mais celui-là, il y a un sachet refermable et tout. Et celui-là, c'est un petit peu à la ruche. Mais il y a 1 kg là. Et l'autre, il y a 500 grammes. Ben, là, je vais pouvoir picoler à fond. Ben, voilà, c'était juste ça. 5 petites minutes. Pour parler bouffe et chai latte, que je ne connais absolument pas trop le chai latte, mais bon, je vais me goûter ça, je pense, demain, parce que là, je finis un lait à la banane. Mon copain m'a ramené ça, je lui demande de me ramener du lait d'amande ou d'avoine, et il me ramène du lait de banane. Mais c'est très bon avec un petit peu de cacao en poudre, c'est parfait. Bref, voilà, je vous laisse ici, c'était juste pour le plaisir de faire un petit colis. Et pourquoi pas. Vous donner envie avec ma poudre qui, comme ça, ne donne pas du tout envie. Allez, à plus tard. Thank you.
la pile à lire d'avril. Bah, je ferai ça demain parce que là, je suis en plein dans ma lecture. Demain, je vous montre ma pile à lire qui est un peu. Enfin, il y a trois romans. Mais je vais voir, j'ai peut-être changé parce qu'il y a avril autour de la SF. J'ai bien envie de lire de la SF, donc ça tombe bien. Mais bon, dedans, j'ai deux bons pavés. Voilà, j'ai peut-être remanié ça aujourd'hui. Et on a eu les thèmes pour le mois d'avril du Pyjama Book. J'ai pu peaufiner un petit peu. Voilà, je vais mettre ça au point. Je pense que je vais vous faire la vidéo demain ou après-demain, en tout cas dans ce vlog, c'est sûr. Je n'ai pas les thèmes de livre au thème, là, le nouveau challenge de la Bibli de Lily. Parce qu'on l'a souvent après. J'ajuste un petit peu ma palle, plus ou moins. Voilà, à voir. Mais en tout cas, pour Pyjama Book et le mois de la SF, c'est bon. Et aussi, comme le challenge de la Bibli de Lily, avec un livre une lettre me manque un petit peu, j'ai décidé, à partir de maintenant, de le faire toute seule. Donc je tourne ma petite roue et je me fais à partir du 1er avril la lettre. Et là j'ai tiré ma roue et ce sera la lettre I. Donc voilà, je vais également peaufiner. J'ai déjà un I sans l'avoir fait exprès dans ma pile à lire provisoire. Ma vidéo a eu un bug. Bref, voilà, je vous montre ça demain, après-demain, enfin bon, dans cette vidéo. Voilà. Hey, alors on est aujourd'hui mercredi. J'avance, j'ai hâte d'être en week-end. Voilà, vous m'excuserez, je suis sous ma petite couette. Bien au chaud. Je viens donc, comme je vous l'ai dit juste avant, vous montrer ma pile à lire du mois d'avril. Finalement, je ne l'ai pas tant peaufiné que ça parce que je n'ai pas trouvé de i. Je commence mal mon auto-challenge, le i. Bah, si j'ai un roman, je vous avais dit dans ma pile à lire, mais c'est tout. Bref, j'ai rien à vous dire sur ce roman. Il me reste ça à lire. Donc, hier, j'ai lu à fond, à fond, à fond. Je me suis posée, je me suis mis à read with me, je me suis couchée là. Et en fait, je m'endormais, j'avais les yeux lourds. Et donc, j'ai dit, bon, je fais une pause. Et là, impossible de dormir, je ne pensais qu'à ce bouquin. Donc j'ai continué, 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 continué. Et là, je suis page 486. Et je vous ai dit qu'il reste 566. Donc vraiment, je suis à la fin. Et je ne sais toujours pas. Et je veux savoir. Donc je fais cette vidéo. Et ensuite, je termine mon livre. Alors, donc, je vous disais que j'ai eu les thèmes du Pyjama Book. Donc, je ne vais pas me rappeler. Couverture rose. J'ai pris ça. Le roman que j'ai eu dans la Sipor Box. Là, il y a du rose. Donc, je me suis dit. Et puis, ça fera un petit roman tranquille. Peut-être rigolo ou pas. Je ne sais pas si je suis le bon public pour ce livre. Mais bon, sait-on jamais? À voir. Donc Virginie Grimaldi, chère mamie, tu vas rire. Voilà. Ensuite, les autres thèmes, je les ai déjà oubliés. Je suis désolée, c'est pas grave de toute façon. Ensuite, je veux lire. Celui-ci, c'est la suite d'une série, une saga, une série, je ne sais pas, que j'adore. Chaque tome est une lecture dingue et j'ai l'impression que chaque tome est de mieux en mieux. Et l'autre jour, j'ai acheté la suite, mais j'en ai toujours un d'avance. Donc là, vu que je voulais lire celui-ci, j'ai acheté celui d'après. Donc c'est MJ Arledge. Je vous en parle assez régulièrement. Je déguste, voilà, comme vous savez. Voilà, j'aime bien piocher, retrouver chaque petit auteur que j'aime bien, etc. Et chaque personnage aussi. Donc là, c'est HKHK, le tome, je ne sais plus combien, de la série Hélène Grace. 1, 2, 3, 4, 5. Merde, il y a le dernier sacrement. Bon, tome 5 ou 6.
Voilà, celui-ci, je voulais le lire en mars, mais après, je me suis dit, flûte, c'est pas une fille. Donc voilà, je l'ai reculé. Ensuite, mon fameux livre en i, c'est celui-ci, de Inga Vesper, donc un long, si long après-midi. Et là, pourquoi je l'ai pris lui, de base? Peut-être pour le rose sur la couverture ou fleuri, je sais plus. Je sais plus du tout, mais ça correspond à un des thèmes du pyjama book, mais j'ai vraiment zéro mémoire, je suis nulle, nulle à chier. Mais bref, voilà. Je crois d'ailleurs, faut que j'écrive à la belette stéphanoise, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle l'avait dans sa pile à lire. Je lui ai proposé une lecture commune juste après cette vidéo. Donc voilà pour mon i. Donc ça sera le seul du coup parce que j'ai beau chercher, j'ai regardé sur Libradic, je n'ai pas trouvé d'autres i. Alors que je pense que j'en ai. Mais là, comme ça, je. Bref, voilà. Et ensuite, donc je vous disais que c'était le mois de la SF. J'ai encore vu gros, je pense, parce que c'est trois bouquins. C'est pour ça que celui-ci, je pense qu'il peut être bien entre deux trucs. Mais roman SF, j'ai pris trois livres. Il y en a un, je sais déjà, qui va se lire très très vite parce que tout le monde l'a lu très très vite. J'enlève le suspense. C'est celui-ci, hein, Elodie, hein. Donc, Wayward Pines, épisode 1, révélation de Blake Crouch. Donc, vous avez dû le voir passer si vous êtes sur Instagram. Tout le monde le lit, tout le monde le dévore. Et a priori, quand tu as lu le tome 1, tu vas en librairie acheter le tome 2 et le tome 3. C'est une trilogie, ça s'arrête au tome 3. Et c'est une dinguerie, apparemment. Donc, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma pile à lire de avril autour de la SF. Et de base, j'avais complètement zappé. Et c'est après, j'ai eu une illumination. Mais pendant que je lisais hier soir, pendant que je lisais ça, je me suis dit, mais Wayward Pines. Alors là, si je le mets pas, Elodie, elle va me tuer dans mon sommeil, je sais pas. Mais elle va se venger que je ne le lise pas tout de suite. Donc, promis, je crois que ça va même être un des premiers pour que je fasse pas que de la SF, mais que j'en lise plusieurs dans le mois. Enfin plusieurs, quand vous allez voir les deux autres, je sais même pas si je vais en lire deux, mais bon, c'est pas grave, celui-là sera lu. Ensuite, donc mes deux autres, c'est des gros, gros tomes. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai mis ces deux-là, mais à voir. J'ai mis Stephen King, Le Fléau, le tome 1, que j'avais acheté au tout début que je suis arrivée à La Roche, donc voilà, ça fait plus d'un an. Là, ça a fait un an en janvier que je suis ici, et il me semble que je les ai achetés. En janvier, février, j'étais pas encore à mon taf, ça c'est sûr. J'ai acheté le tome 1 et 2 parce que je les avais en version très 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 vieille, en 3 tomes. Et du coup, je m'en suis débarrassée en me disant je veux des un peu plus récents. J'aimerais bien refaire ma collection de Stephen King. Enfin, pas la refaire parce que du coup, j'avais acheté des tomes à Emmaüs, mais je m'en suis débarrassée quand voilà, j'ai quasiment débarrassé tous mes vieux vieux tomes et les avoir un petit peu au goût du jour. Et compléter ceux que j'avais pas. Et celui-ci, j'avais lu le tome 1, mais là il n'y a que deux tomes. Donc du coup, je sais pas trop à quoi ça correspond. Merde, mon truc s'est coupé là. Parce que j'ai mis une série. J'avais lancé une série pour prendre mon goûter. Et ma mère m'a appelé entre-temps. Je me suis dit, je fais la vidéo, j'appelle ma mère et ensuite je lis. Et en fait, bah, voilà, je vais faire les trois mêmes choses, mais un peu différentes. Un peu dans un ordre différent. Donc voilà, le tome 1 de Stephen King, on est à fond dans de la SF, hein, concrètement. C'est écrit tout petit. Et voilà, donc là c'est un virus. Un virus, voilà, qui tue la population. Et le gros tome qui me fait très peur. Mais je me suis fixée pour objectif de 2024 de le lire. Parce que ça fait. À Noël, ça a fait un an qu'il était dans ma pile à lire. Donc je pense que celui-là, il sera mis de côté, il sera peut-être lu le mois prochain et que je vais plutôt pencher pour celui-ci. C'est Dune, le tome 1. Donc là, c'est vraiment de la pure SF et je pense qu'il n'y a pas de meilleur mois pour me lancer là-dedans. Donc peut-être qu'il me fera tout le mois, peut-être qu'il me fera avril-mai, je ne sais pas. Peut-être que je ferai un mai autour de la SF. Mais voilà, il fait pas tant de pages que ça. Et moi, il me fait peur. Mais pas dans le sens de la. L'épaisseur du livre, il fait 920 pages, on va dire, pour arrondir. Et c'est écrit, ça a l'air assez aéré. Hein, donc ça me fait pas peur. Mais je sais pas, c'est plus l'univers,
Là, c'est vraiment pure SF pour moi qui ne suis pas adepte de ce genre de roman, de ce genre de lecture. Donc, voilà. Et je sais absolument pas de quoi ça parle. Je n'ai jamais lu de résumé et je n'ai pas vu le film parce que je voulais seulement lire le livre avant de voir le film. Et sachant que là, il y a le 2 qui sort, que tout le monde en parle, etc. Je me suis jamais fait spoiler, mais j'ai vraiment aucune idée de quoi ça parle. Et ça, j'aime bien parce que je vais découvrir. Donc je suis quand même bien curieuse de me lancer dans cet univers. Donc voilà, voilà, je vais commencer par lui. Après, je vais lire un des trois là que je vous ai montré. Après, j'essaie de faire assez varié. Je me suis mis quand même un thriller au milieu de tout ça. Et enfin thriller, oui, c'est thriller polar. Non, c'est du thriller pour moi. Et voilà, à voir. Déjà, si je lis ces 5-là, ça me fera pas mal quand même, je pense. Je serai encore pas à 10 livres, mais bon. Après, j'ai récupéré Cracotte. Donc, je vais peut-être me faire un SF. Ah ben non, je suis dans Inheritance Games. Ah ben, c'est un i. C'est un i. J'aurai 2 i. Parce que du coup, je le finirai en avril, hein, Inheritance, là. Je m'étais dit il fera beau etc. Ben là il pleut à plein temps ce matin, c'était pareil toute la journée, bref. Donc du coup là j'aurais eu Cracotte, j'aurais continué ma lecture audio, mais bon je la récupère lundi 1er avril, donc dans le prochain vlog vous reverrez sa petite bouille. Moi je suis désolée mais elle manque trop, et voilà, vous en avez peut-être marre de la voir sur toutes mes vidéos, mais voilà, elle fait partie de mon quotidien, donc voilà, bref, on s'en fiche. Voilà pour ma pile à lire d'avril. J'ai pas vu trop gros, mais voilà, vraiment ce Dune me fait un petit peu peur. Moi, je veux pas minuit. Ce Dune me fait un peu peur, vraiment. Mais bon, si je dis tout ça, je serais vraiment très heureuse. Bon, après, avril. Ah non, j'allais dire, il y a plein de jours fériés, mais non, il n'y a que le 1er avril qui est férié. Donc, bon, voilà. En plus, peut-être qu'en avril. Ah non, c'est en mai. Je crois que je confonds avril et mai là. Hein. Nous, on va peut-être faire des heures sup au boulot. Selon le boulot qu'il y a. Donc, bon, bref, on s'en fiche. Ça aussi, je pars en délire. Bon, bah voilà, c'était tout. Je voulais vous montrer ma petite pile à lire. Et je vais écrire de ce pas à la belette stéphanoise pour voir si elle veut faire une LC, puis si jamais elle veut le décaler à un autre mois, bah j'enlèverai, je choisirai autre chose. Ou je vais voir comment je m'arrange. Voilà, je vais vous laisser là parce que j'ai rien de plus à vous dire. Je voulais juste vous montrer ça. Mon i. En plus, oui, j'avais oublié les lectures audio. Parce que là, j'avais mis en pause. Donc, ça, c'est cool. Et puis, bah voilà, je vais retourner là-dedans, le terminer. D'ailleurs, je ne sais pas. Là, je suis en dilemme. Si je pioche discrètement en trichant pour 2-3 jours, si je piocherai pas là-dedans, ou est-ce que je me lance dans un autre livre? Parce que là, on est mercredi. Ce week-end, je pars. Donc, je vais pas me taper ça à emmener dans mon sac à main, quoi. Donc, faut que j'étudie la chose. On va voir. Bon, bref, je vous tiens au courant de toute façon dans ce vlog juste après. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à plus tard. Ce sera plus simple. Hey, alors on est aujourd'hui vendredi, fin de journée. Ah! Oups, j'ai toujours un peu de mal pour poser mon portable. Vendredi, fin de journée. Donc je viens vous faire un petit point vite fait. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai évidemment terminé ce roman. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture. Mais voilà, ça va pas être dans mon top 3. Mon top 3 pour l'instant reste numéro 1, Meurtre pour Rédemption. Et en fait, j'ai qu'un top 2. Et le top 2, le numéro 2, c'est Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Les autres, j'ai toujours passé de très bonnes lectures, mais. Il n'y a pas eu le petit plus que j'ai pu avoir pour les deux autres. Mais un très bon roman, assez glaçant. Quoique, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est toujours assez vicieux. C'est du thriller, mais c'est pas du thriller du style enquête. On va être plus ciblé sur les personnages. Vraiment suivre un peu leur.
leur descente ou leur évolution, plus ou moins dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais voilà, ça va être plus focalisé sur le... Il n'y a pas d'enquêteur qui va mener, qui va se faire embarquer par... mener en bateau par le serial killer. Non, ça va être vraiment les personnages, voilà, centré là-dessus. C'est vrai que c'est souvent comme ça avec Karen Gievel, c'est ce qui fait un petit peu la différence des autres thrillers qui vont être beaucoup avec un inspecteur, une inspectrice qui va mener son enquête. Là, on n'est pas du tout dans cette figure-là. Et voilà, j'adore ces romans quand même. Ça reste une très bonne autrice pour moi. Thriller roman noir, du coup. Voilà, les fins sont toujours pleines de rebondissements. C'est juste super bien. Voilà, donc ça c'est terminé. Ensuite, je n'étais plus tentée par ce qu'il y avait dans ma pile à lire pour les derniers jours. En fait, je vous disais que j'hésitais entre commencer avec un SF ou me faire un autre livre qui est ni dans ma pile de février, enfin de mars, ni dans ma pile de avril. J'ai opté pour ça, pour un roman qui n'était dans aucune de mes piles à lire. Je me suis dit, allez, je me challenge pour le lire d'ici dimanche. C'est pas très très bien parti. J'ai beaucoup de mal avec ce roman. Mais on y croit. Parce que du coup, je veux lire en premier Wayward Pines. Et je sais qu'il va être vite lu. Donc je me suis dit, si je le commençais hier, je l'aurais limite déjà terminé. Donc je me suis dit, non, c'est pas déjà vrai le tour de la SF. Je veux, au pire, j'aurais voulu tricher un peu, mais un roman qui aurait tenu quand même sur avril. Parce que du coup, il va rentrer en mars. Donc je me suis dit, non, je lis d'abord autre chose. Et après, je verrai pour Wayward Pines. Donc j'ai opté pour celui-ci, un Liane Moriarty, un peu beaucoup à la folie. Alors de base, je voulais attendre pour le lire. Je voulais lire Petit secret, grand mensonge, son deuxième. Parce que j'aime bien lire dans l'ordre, même s'ils ne se suivent absolument pas. Son premier, c'était Le secret du mari, que j'avais bien aimé. Mais sans plus, c'était une bonne lecture. Voilà, mais je n'en regarde pas, c'était pas un coup de cœur. Je voulais lire Petit secret, grand mensonge. Cependant, je l'ai prêté. Et il ne m'a jamais été rendu. Et jusqu'à maintenant, je suis pas retombée dessus, je m'étais dit. Je retombais dessus en occasion. Les Liane Moriarty, j'en ai acheté aucun. Je les ai... Enfin, si, je les ai tous eu d'occasion. Soit Emmaüs, soit Cabane à livres, soit trouvé sur un banc. Donc, du coup, je continue comme ça. Voilà, Petit secret, grand mensonge, il paraît qu'il est vraiment très très bien. Voilà, du coup, c'est celui-ci qui était le plus proche de mes yeux, en visu dans ma bibliothèque. Je me suis dit, allez, let's go. Donc, un peu beaucoup à la folie. C'est toujours des pelouses qui sont représentées sur ces romans, j'aime beaucoup. Et même le dos, il est comme ça. Donc moi, il est super abîmé, hein, mais je m'en fous. Je l'ai pris à Easy Cash, à 4 balles, il y a super longtemps. Donc je vous lis la couverture, le résumé. Trois couples épanouis, deux charmants enfants, une amitié solide et un barbecue improvisé entre voisins par un beau dimanche ensoleillé. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors pourquoi, 2 mois plus tard, les invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne cessent-ils de se répéter si seulement nous n'y étions pas allés? Avec le succès du Secret du Mari traduit dans 55 pays et de Petits Secrets Grands Mensonges adaptés par HBO, Liane Moriarty continue de dévoiler la noirceur qui rôde sous les vies ordinaires et nous plonge au cœur des replis les plus inavouables de l'âme humaine. Fin décapant et jubilatoire. Donc ça promet quand même. Donc pour l'instant, je l'ai commencé donc hier, avant-hier. Hier. Je l'ai commencé hier. J'ai lu que 50 pages et j'ai pas été plus emballée que ça. Alors j'ai relu un petit peu ce matin, là je suis pas à 74. Ce roman fait 620 pages à peu près. Voilà, pour l'instant, je ne comprends rien. Je suis absolument paumée. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Après, c'est pas du tout quelque chose qui me chagrine. Au contraire, j'aime beaucoup. J'aime bien justement me dire qu'au début, j'étais paumée. Puis qu'en fait, après, c'était trop bien. Parce que tu t'es à fond dans l'histoire. Et au final, comme je vous dis souvent, là, il n'y a pas de prénom. On ne sait pas trop qui parle, etc. Pour l'instant, j'arrive pas trop à voir les familles, les enfants. Enfin, je commence. On va dire que je commence à un petit peu à cerner un couple avec ses deux enfants, à ce que j'ai compris. Et une autre nana qui est toute seule, ou qui est en couple, mais qui n'a pas d'enfants. Voilà, c'est tout ce que je peux vous résumer pour l'instant. Voilà, je sais très bien que ça va se décanter au fur et à mesure.
Le seul truc pour l'instant, c'est que d'un seul coup, il y a le titre. Enfin, il y a un titre, par exemple, le jour du barbecue. Et après, on va passer à un autre chapitre qui va plus du tout être le jour du barbecue. Donc, dans ma tête, au début, maintenant j'ai compris, mais au début, je me disais, mais attends, on est quand? Là, c'est pas du tout. Donc, on va dire le jour du barbecue. Ils vont parler d'un couple. Et après, on va finir ce chapitre. On va passer à un autre chapitre où il y aura juste écrit 5, sans titre, rien. Et là, on va retomber dans leur vie, le même couple, mais différent. Au début, j'étais là, mais je comprends rien. Et je crois que c'est ça. Mais je peux encore me tromper, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres titres après. Mystère, mystère. Donc, bref, voilà pour ma lecture en cours. Et donc, ce week-end, ce soir, je pars à Niort. On va se faire un petit VNB de Niort avec un copain. On dort chez lui. Ensuite, on part dans le Périgord. Donc, je verrai si je vous fais des petites vidéos par-ci par-là du paysage. Et on passe ce week-end là-bas. Je vais louer un Airbnb avec un petit spa. Non, un jacuzzi. Donc voilà, étant donné qu'il pleut et qu'il fait froid, ça va être très bien. J'avais hésité parce que quand j'ai pris le Airbnb, il faisait beaucoup plus beau et il faisait pas aussi froid. Donc du coup, je ne regrette pas mon choix. Et voilà, et lundi on rentre plus tôt que prévu à Poitiers. Je vais aller voir mon papa qui est à l'hôpital et je vais voir mon frère récupérer Cracotte. Voilà. Voilà mon petit programme. Donc est-ce que je vais lire beaucoup? Est-ce que je vais pas lire beaucoup? Je ne sais pas. Rien n'est carré avec nous, rien n'est organisé. Donc on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas où on dort, on ne sait même pas ce qu'il y a autour. On verra. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? J'ai terminé ma série Qui ment? Non, ça j'ai déjà terminé plus longtemps. J'ai terminé ma série Knockoff, Jeunesse dorée. Oui, c'est ça. Jeunesse dorée. Ah bah purée, mais ils sont complètement tarés. Alors, il n'y a qu'une saison, il n'y a que 10 épisodes. Et au début, je me suis dit oui, bon, bah, voilà, comme je vous en avais parlé l'autre fois, c'est un peu à la Gossip Girl. Voilà, il leur arrive 50 000 trucs, c'est des bourges, ils ont tout à portée de main. Et en fait, c'était une série beaucoup plus dense, beaucoup plus grave en fait. C'était du drama, mais putain, mais ils m'auraient fait chialer à la fin, quoi. Donc la saison 1 se termine. Je pense qu'il y aura une saison 2. S'il n'y en a pas, je ne comprends pas à la fin. Et je regarderai la suite vraiment avec plaisir parce que c'était dingue, mais dingue. Il souffre de troubles. Ah ouais, franchement, je conseille cette série, même si j'ai pas spécialement accroché aux personnages qui font un peu superficiel et tout. Mais ouais, au final, ils ont tellement de soucis que tu te dis que limite ils te font de la peine, quoi. Donc, bref. Voilà. Hier, j'ai regardé le dernier épisode, j'ai été sur le cul, j'ai fait mais ah. Enfin, les deux, trois derniers, déjà j'étais ah. Mais alors, le dernier, j'étais encore plus ah. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est dingue. Donc voilà, c'est pas du tout à la Gossip Girl en fait, c'est beaucoup plus drama. Et voilà, donc j'ai commencé une autre série, The Society, mais j'ai regardé 10 minutes et puis mon conjoint est arrivé, donc j'ai coupé. Donc là, je vais me remettre, je pense, ces 10 minutes. Enfin, le remettre au début parce que je n'ai pas trop suivi. J'étais encore sous le choc de la fin de saison, là, de Knockoff. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'aurais pas dû enchaîner, en fait. J'aurais dû mettre la télé, enfin, ou mettre je sais pas quoi. J'ai même pas réussi à bouquiner. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas autant lu que ce que je voulais pour... Déjà, je comprenais rien. Et j'étais pas concentrée parce que je pensais à cette série. Il m'a... Voilà. Donc bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai été chercher un colis tout à l'heure, si je comprends rien. Ah, mes colis, en fait, j'ai reçu une deuxième fois ma commande Koro. Donc je ne l'ai pas ouvert avec vous une autre fois parce que c'est exactement le même produit. Alors je comprends rien parce que ma commande était terminée. J'avais pas de numéro de colis, j'avais rien de la part de cette société de livraison. Et suite à ma réclat, bah, ils me l'ont envoyé et là, je l'ai reçu deux fois cette semaine. Alors que je l'ai commandé le 7 mars, mais bon. Bref, c'est pas très grave. Hein. J'espère que je vais aimer. J'ai pas encore tout goûté. Là, je me suis fait un petit thé parce que je veux pas ouvrir du lait avant de partir. Mais bon, même si Spirine part en 24 heures, mais bon, c'est pas grave. Enfin, en 24 heures. Maintenant, je pars 3 jours, donc un peu plus. Bref. Mais bon, voilà. Je vais vous laisser ici après tout ce blabla.
Pas forcément très utile, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je vous tiens au courant de mon avancée sur cette lecture, mes petits paysages, et je viendrai conclure le blog, peut-être que lundi du coup. Je vous le dis ici, ça sert à rien. Donc j'arrête. À plus tard! Hey, coucou! Alors, on est aujourd'hui mardi et je conclue ce vlog super tard. Je suis vraiment désolée. Mais du coup, mon week-end a été assez rempli, même si on n'a pas fait non plus méga méga truc. Désolée, je mets mes chaussures en même temps. Parce que là, je vais aller promener Cracotte. Je l'ai récupérée, je suis trop contente. Donc là, j'ai pas trop le temps parce que je veux d'abord que je fasse ce vlog-là et que j'ouvre le prochain parce que bah du coup, je suis déjà en retard. Donc. Cracra. Voilà, comme ça vous l'aurez vu dans le vlog. Manini. Bref, ouais, un week-end assez mouvementé. Bah, je vous ai pris quelques vidéos rapido parce que on a juste fait une rando. Alors le coin en lui-même, je vais vous poser là le temps que ça se mélasse. Le coin en lui-même n'était pas dingue en fait, là où j'étais. Le Airbnb n'était pas dingue. Rien n'était dingue. Après, ça fait quand même du bien. On avait le jacuzzi, bah heureusement, parce que ça a fait la différence. Mais concrètement, l'appartement était tout noir. Les murs étaient noirs, les meubles étaient noirs, le jacuzzi était noir, les portes, tout était noir. C'était un truc de fou. C'était sombre, mais sombre. Ils avaient mis des spots autour du jacuzzi, histoire de dire, mais tu mettais du rouge, du vert, ça faisait super sombre quand même. Du jaune, pareil, enfin bref. Du coup, un peu déçu par rapport à ça, il n'y avait que deux fenêtres. Une petite fenêtre au-dessus du jacuzzi, on ne pouvait pas trop accéder, et avec un rideau noir et blanc que tu peux pas lever. Tu as juste les traits là, noir, blanc, que tu peux bouger, mais ça fait rentrer zéro lumière. Et la porte, c'était une espèce de baie vitrée, mais opaque, avec un rideau jaune foncé qui assombrissait aussi la pièce. Donc bref, c'était pas... C'était pas l'appartement de nos rêves et l'endroit était pas non plus fabuleux. Donc on a juste fait une rando de 15 km quand même. Et puis c'est tout. Sinon on a fait du jacuzzi, des restos et on n'a pas fait grand-chose. En plus même dans le logement, ça captait pas du tout. Pas de wifi, pas de réseau. Et du coup, heureusement j'avais mon livre. Donc, je vous parle quand même du livre vite fait. Enfin, je vais vous en parler dans le prochain vlog, je pense. Je ne l'ai pas terminé, bien sûr. Je l'avais emmené dans la chambre pour mettre mes chaussures. Je suis page 273, donc de celui-ci. Donc, je vais le continuer tranquillement. Finalement, je ne l'aurais pas lu dans le week-end. Hein, mais bon, je m'en doutais un petit peu. C'est pas grave, je vais le continuer en ce début de semaine. Et je prendrai Wayward Pines par la suite, j'espère bien, cette semaine. Pour le coup, on est déjà mardi soir. Et il faut que je me dépêche, du coup. Donc, je vais aller me promener.
Et puis comme ça, quand je reviens, je fais ce petit vlog et j'en ouvre un autre que vous aurez bien sûr la semaine prochaine. Bref, voilà, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez mangé plein de chocolat. Moi, j'en ai mangé zéro. Mais on a quand même eu chacun un petit lapin, ouais. Un petit à fleurs et un classique. Donc voilà, on les a même pas mangés, vous voyez. Donc ça sera pour cette semaine. Et puis ben voilà, désolée pour mes chaussures. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. Et puis ben je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à la fin de cette semaine-là du moins. Bref, à bientôt et portez-vous bien. Salut!